Ah bonjour. On l'enregistre, on verra bien si on va l'uploader, mais ça dépendra de ce qui se passe surtout. Je vais mettre un peu le son. Ouais, je vais faire pareil de mon côté parce que j'entends pas beaucoup mon engine. FFP aussi, je vais augmenter. Alors, bonjour, on est de retour du côté de Charlotte pour... Comment elle va? J'attendais qu'il la fasse, il la fasse. pour voir un peu si on peut s'en sortir avec désormais une course où on n'aura pas Johnson. Non. Non. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Green flag. On a un peu modifié l'emplacement du JRT. Alors vous avez en bas à droite le drapeau qui est affiché aussi par la couleur qui entoure le logo JRT. Comme ça vous savez tout. Normalement on doit être repassé en 2K. Donc niveau qualité ça doit être un petit peu plus beau pour vous que les épisodes précédents qui étaient tournés en HD parce que j'étais en triple screen. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Et on va voir un petit peu si on peut passer quelques cours sympas, vous partager. Vous étiez très content du retour de la série sur la chaîne YouTube. Ça a bien fonctionné en termes de vues, en termes de commentaires. Tout simplement parce que vous m'aviez dit, enfin, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Savoir que, comme je l'expliquais dans la vidéo numéro, je crois, 40, allez voir quand j'ai relancé cette série. C'était un petit peu compliqué de rouler dans les conditions dans lesquelles j'étais. Donc là, on a pu remettre un petit peu le setup un peu plus au goût. Pour pouvoir rouler dans de meilleures conditions et pas niquer notre rating. Voilà. Et on est avec Emery qui, comme d'habitude, avec la chance qu'on a, n'est pas dans le même split. Incroyable. Je crois que t'es dans le split du dessus, mais j'ai mis du temps à valider, donc on en est décalé. C'est vrai que ça, si iRacing pouvait créer un système de lobby où on pourrait au moins retrouver un ou deux potes, ça pourrait vraiment être sympa. Ouais, mais ça peut créer des problèmes aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils font pas, je pense. Ils font que en team, mais peut-être pas pour éviter, justement. Mais au moins sur les courses qui ne prennent pas de rating, genre la Dallara qui est une course sans oui. les Silverado. Voilà. Ah, c'est cool, ça, ouais. Drapeau à damier et c'est la 5ème position. Donc de nouveau une belle qualif. Ah, moi j'ai. Comme le chanteur Renault français, mais version américaine. J'ai rien compris ce qu'il t'a dit. Faut grave. Alors on est du côté. Évidemment. Du retour au box à la fin de cette qualif, on a peut-être eu l'occasion de reconnaître mon skin pour ceux qui ont été perspicaces avec le sponsor qui est devinable sur le capot. On a repris le skin d'une voiture d'un pilote qui est une légende de quand j'étais petit, Terry Labonte, pour ne pas le citer, avec le sponsor Kellogg's. De nuit ça passe toujours bien. Voilà, et on va ramener la voiture au box et on se retrouve, je pense, dans quelques instants sur la grille de départ où on est pour l'instant 5ème, et je pense qu'on va peut-être perdre quelques positions d'ici la fin de la qualif. Puis t'es sympa, t'es gentil de pas balancer les résultats de la NASCAR alors que nous c'est une semaine. Non mais mec, attends, ça fait une semaine que le truc est sorti, qui ne l'a pas vu que Truex était champion. Et je le répète, sans deck, ça se voit sur Twitter, ça se voit sur Insta, ça se voit sur Facebook, ça se voit sur n'importe quel site, sur AB Moteur, à la télévision. À un moment donné, c'est bon quoi. T'es obligé d'être spoil. Quoi. Le troisième épisode de 50 nuances degrés aussi, Star Wars 7, hein. Bah vous savez quoi, c'est son père, lol. Non mais c'est bon, à un moment donné... Les gens qui crient au spoil, ça me saoule, quoi. Ich bin your father. Ah, faut regarder en version allemande, c'est marrant. Ich bin your father, Luca. J'ai l'impression que j'ai passé 3 vitesses et je suis encore en deuxième. Ouais. Moi, je pars en deuxième, généralement. J'entends pas du tout. Le moteur? Ouais, j'ai... C'est dans mon casque, vous inquiétez pas, vous dans le son, normalement, la vidéo doit être bon. C'est 20-12 qui fait du caca. Yeah. Ce que c'est que c'est. Ah, j'ai un fanatique de Trump. De Trump? Ah ouais. Bah il a pas été lu par hasard. Ah ouais, il lui a mis un bonnet de Noël et tout. Très bien. Ah d'accord, le mec il double tout le monde. Vas-y. Je suis en train de me demander si j'ai lancé le record du vocal. Ah. On le fera en poste. Oh là là, je tourne à gauche, Max, c'est incroyable. Cette sensation de vitesse. Est-ce qu'on va aller la gagner? Ah bah je te le souhaite. Et je te souhaite pareil. C'est... Ouais, c'est déjà fait. Ah, c'est bien élancé. Parce que généralement ils sont assez fun, les réglos, les fair play.
Allez, green flag. Outside. La même. Still outside. Allez, deux de sortie, salut. Outside quarter. Clear, clear. Je vous invite vraiment, si vous faites de l'Oval, à installer le pack Jimmy Johnson avec son spotter parce que c'est vraiment très très immersif et très agréable. Ah, j'ai vu dans ta vidéo d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est pas de l'anglais trop compliqué non plus. Hein. Un great fair and middle. Ou alors, great, il enchaîne les mots, c'est marrant. Est-ce que je lance le tree wide ou pas? Je tenterai pas. Eh ben, j'ai pas tenté. Baby, get up on that thing. Quarter outside. Still outside. Et on prend la troisième position. Still there. Deuxième, moi, je parle. Two outside. 13. On est three wide. Les deux premiers vont se toucher. Still there, man. Still there. Outside quarter. One. Still there. Your door. Still out there. Still there outside. Ah, j'ai perdu la speed devant. Still outside. Dans un no man's land. Can't tell yet. Putain, on est déventé. Oh la vache. Still there. Yeah, man, let's get that rhythm now. Too wide outside. Still there. Outside, one only. And you're doing a damn good job, you know that? Still outside. On est poussé. En ligne droite ou... Ouais. Still there. On a été victime d'un... Non ! Sous-virage ! Clear. Outside. Looks clear. Ça touche derrière, ça chauffe. Je suis conscient. Ça a été très très chaud. On est deuxième. Je la perds. J'ai du sous-virage, je suis obligé d'ouvrir. Derrière, si tu relâches, normalement, elle revient dans la ligne. Ouais, mais là c'est grosse pression. Sloan derrière qui est là. Dis pas qu'il n'y a pas Peter, sinon je te jure, je te ban life de mon Discord. Inside. Still inside. Inside. Clear. Inside. Still there. Tente l'extérieur pour prendre la tête, hein, les enfants, c'est très très chaud. Still inside. Clear on the bottom. Quarter inside. Nous c'est beau, là, chacun brésilien. Et un mec du Milwaukee. Still inside. Je suis concentré de ouf pour la tête, on est côte à côte. Still inside. Still inside. Je referme pas parce que j'avais still pas la place, tout simplement. J'ai pas envie de faire comme Johnson. Still inside. Still there, door. Alors je parle pas beaucoup, vous en conviendrez, mais c'est très très tendu. Mais j'ai un meilleur run à la sortie de la ligne droite, mais j'arrive pas à me rabattre devant lui. Il garde l'avantage en étant à la corde. Et tant qu'il y est. Still there. Clear inside. Inside.
On est à 3 pour se battre pour la 10ème place pour te dire. Ah, Tree Ride, oh là là. C'est chaud de ouf. Je trouve. Ah, moi, ils sont touchés, moi, les deux, donc. J'ai relâché un peu, je préfère sauver mon SR pour l'instant. Still there, right next to you. Still inside. Very nice work, my man. Lost some laps. Still there on the bottom. Alors tu dois commencer à sentir les pneus arrière qui glissent. Oui. Mais j'en perds moins d'adhérence parce que je suis plus haut sur le val, je braque moins. Ah oui. Mais c'est magnifique, on est côte à côte depuis le départ. Hein. Voilà, j'en suis deux, moi. Enfin, on a trois. Depuis tout à l'heure, on a trois à se battre. C'est... Quand on arrive sur la ligne, je me rapproche de lui en fait. Ça peut vraiment jouer à la photo finish. Mais il est toujours à l'intérieur. Still inside. Still there. Still there at your door. Oh, putain de merde. Oh, c'est chaud de ouf. Je tremble. Je tremble dans mes bras. Une faute, on est dehors. Et pour l'instant, ça tient très très bien. Ah, j'ai pris un quart contact. Et il m'offre la tête. Mais oui, j'ai pris un quart contact du troisième qui m'a poussé. Il m'a donné ce qui me manquait pour prendre la tête. Incroyable. 12e des 20 tours, on est devant. Ah, c'est joli ça! Le petit bump qui m'a permis de prendre le commandement! Il a peut-être fait exprès le mec derrière pour justement pouvoir. Oh, j'ai pas assez de grip pour garder la corde, mais. Il va me toucher, il va me toucher, il va me toucher! Je n'ouvrirai pas, je la garde! Vous étiez assez nombreux de me demander de les poser sur la table quand il faut, et eh ben là j'ai pas bougé, voilà! Il y a le 10 qui va me faire l'extérieur. C'est compliqué à l'extérieur ici. Ah, j'y étais pendant 12 tours. Elle a pas assez de watts, je trouve. J'ai peur d'être à l'intérieur et d'être déventé et d'aller le percuter à l'extérieur. Il faut relâcher un peu la pédale de gaz. Moi, c'est ce que je fais. Je me soulage un petit peu, effectivement, t'as raison, ça marche très très bien. Le 10 qui se porte à ma hauteur, il a un très bon run. Il va avoir le même coup que moi tout à l'heure. Il va se faire pousser. Ah, s'il revient à la gagner, il vient de loin. Hein. Outside, still there. Magnifique bagarre, magnifique bagarre. Still outside. Six tours, putain. Six tours à tenir. Still outside. All clear. J'en ai fait un petit bump, il a dit attention, je suis là. Il a compris le message. C'est chaud, c'est très très chaud. Je manque de la perdre. 5 tours. Je pars large, vous le voyez. Je me rapproche du numéro 10 en sortie de virage. Et il va prendre la tête. Là, il a un très bon run. Ça a tapé devant. Ça va. Je suis large. Oh, il est devant moi. Il met son capot devant le mien. Magnifique. Oh la vache. C'est... Non, va pas faire un tri-wide toi.
Ah, moi je suis derrière les deux depuis tout à l'heure, c'est sympa à regarder. Ils se battent, enfin on se bat à trois, mais. Là je vais la jouer intelligent, je vais rester derrière et arriver coucou à la fin. Avec la spi. Et j'ai perdu le grip et la tête, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je savais que j'allais être loose. Fallait que je la tente. Oh, le 10 aussi, il part au large. Non, je vais le toucher. Ok, entièrement de ma faute. Entièrement de ma faute. J'en mets deux dehors. Ah merde. Je suis vraiment désolé. Mais je perds trop la voiture, j'ai plus de grip. Honestly, really, really sorry. I just lost the car. Really sorry. Ah, il est intelligent devant moi, il fait que à l'extérieur pour économiser les pneus. Et je me suis fait avoir par l'autre. T'as déjà fini là? Yes, yes, totally my fault. I assume. I'm really, really sorry, guys. I'm losing grip on the corner. Go wide, that's my fault. Oh. Je m'excuse en fait parce que je suis sorti et j'ai perdu la tête et là j'ai été taper le mur. Ah merde. No worries. Thanks man, really not my fault. Awesome battle anyway. I'm sorry to win this if I win it. Et mec fait no worries man. Non mais c'est cool. And I'm happy you're not angry or rude in the chat with me because it's just a mistake. Honestly, it's happened. Exactly. Thank you so much for keeping that like that. Thank you. Putain. Don't worry about it, man. C'est plus fun quand ça se passe comme ça. Hein. Et le mec fait Don't worry, man. Et je vais la perdre. I'm gonna lose this race on the last lap, maybe. Someone just got me in the inside. Fuck. You're clear him. All this for nothing, man. Et moi je le passe juste devant la ligne d'arrivée, incroyable! Damn, P2, awesome battle anyway. Really sorry guys, really sorry. Ah c'est cool parce que je la gagne pas, c'est pas grave. C'est Slivinkas qui la gagne. Franchement, énormissime respect aux gens avec qui je suis allé au contact. Et qu'ils le prennent vraiment bien parce que bon, je me suis un peu, j'ai perdu la course en leur répondant, je crois, parce que j'étais déconcentré. Mais waouh, c'est vraiment, c'est pas touchant, mais c'est surprenant de voir que t'as des gens qui ne sont pas forcément là pour t'insulter en fait. Bon, j'ai pris 6 de car contact, peu importe. Ben, là, je viens d'en prendre 4, on a tous pris 4. Le premier a fait un donut au milieu de la piste et tout le monde a tapé dedans. Bah écoutez. Je sais pas, mais honnêtement, je fais une P2, je mets deux personnes dehors, c'est 100% ma faute, y a pas de problème. Je gagne pas la course, tant mieux finalement, parce que j'aurais culpabilisé de la gagner celle-là. Mais putain, que c'était kiffant. On a fait 13 tours côte à côte. C'était absolument incroyable. Une vraie bataille, propre, pas de car contact. Et à la fin, bon, c'était un petit peu plus sale avec le numéro 2. Merci beaucoup, merci franchement d'avoir suivi cette course. Je vais revoir, mais voilà. Le mec, merci à James parce qu'il s'est. Franchement, je m'excuse. Et je lui fais, mec, je suis vraiment désolé. Pourquoi j'ai. Enfin, voilà. Ça s'est vraiment, vraiment mal passé. J'étais en tête. Et voilà, il y a eu accident. Mais c'était tellement serré que. Voilà. Ah, il suffit de rien. Ah oui, mais là, il a vraiment suffi de rien. Et je l'ai mis dehors. Mais franchement, je suis vraiment désolé parce que moi on me fait ça, je pète un câble et lui il arrive, il fait c'est rien, ça arrive. Et franchement, mais regardez, en fait je suis sorti très large et j'ai été perturbé et voilà, je suis vraiment vraiment désolé. Toi ça a été plus compliqué non? Non, imparfait, mais juste à la fin, le premier il veut fêter sa victoire, bah, ce qui est normal. Hein. Mais il le fait pas au bon endroit et du coup bah, tout le monde est venu foncer dedans, donc ça a fait un big one après la ligne. Donc t'en as qui ont pété un plomb, ridiculous, idiot, machin, parce que le mec. C'est dommage, il l'aurait fait au bon endroit, mais là. Et le pire, c'est que moi, la numéro 2 la perd. Je vais toucher le mur parce que je pense que je vais avoir un accident avec lui. Il part dans l'herbe et il parvient à la gagner quand même. Quoi.
Mais bon, c'est bien, je l'aurais gagné, j'aurais culpabilisé. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière iRacing, l'aventure iRacing, hein, effectivement. Merci Imric, on espère qu'on sera ensemble pour une prochaine course. Et bah, d'ici là, bon amusement en piste. Hein. Salut. Ciao. We'll be right back.